Je voudrais, à travers cette visite, et féliciter et encourager de vive voix tous les hommes et femmes qui opèrent dans des situations extrêmement difficiles pour secourir et assister nos concitoyens. Je voudrais, à cet effet, comme quelques cas d'inondation ont enregistré des pertes en vies humaines, et profiter de cette occasion et présenter mes condoléances aux familles éprouvées et surtout souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Je voudrais aussi saluer la bonne coordination entre les départements ministériels et les demander à plus de détermination et d'engagement pour lever ces défis. Ces défis qui se passent à un moment difficile, mais cela ne nous donne pas d'excuses pour ne pas minimiser les pertes en vie humaine. Donc je voudrais aussi appeler nos concitoyens à rester vigilants et surtout à respecter les recommandations des services compétents. Et Inch'Allah, dans les jours à venir, les autorités vont prendre d'autres décisions pour renforcer davantage les dispositifs qui sont déjà en place. Monsieur le Président, on vous voit à pied d'œuvre pour contrer vraiment le phénomène d'inondation aujourd'hui. Quelles sont les dispositions prises, les dispositions d'urgence présidentielle aujourd'hui? Déjà, il y a le comité interministériel a été mis en place sous mes institutions. Et ce comité travaille en relation avec le SECOGEP et les différents départements ministériels, que le département de la santé, les finances, la sécurité, travaillent ensemble pour vraiment apporter le soutien nécessaire à nos sinistrés. Donc vous avez vu, il y a des phases d'intervention. Ces phases sont menées par la protection civile. Aussi, il y a la phase d'assistance qui est menée par le ministère de la Santé qui apporte des habits, des équipements, effectivement, pour mettre nos concitoyens à l'abri. Donc toutes ces phases de coordination est un outil mis en place par les autorités. Donc, va nous permettre effectivement de gérer cette crise. Mais au-delà de tout ce que nous avons pu mettre en place, c'est-à-dire la stratégie, les dispositifs gérés par le SECOGEC, c'est un phénomène qui est indépendant de notre volonté, parce que c'est dû au changement climatique. Notre rôle, c'est effectivement de faire en sorte que nous puissions vraiment minimiser les risques de dégâts matériels, les risques de pertes en vie humaine. Donc, vous êtes un président rassuré aujourd'hui après la visite du SECOGEC? Nous sommes rassurés aujourd'hui de pouvoir apporter des soutiens nécessaires et de pouvoir aider nos concitoyens à minimiser. Il n'y a pas de risque zéro, mais nous allons tout faire effectivement pour vraiment sécuriser, protéger et assister nos concitoyens. Affaire d'inondation là. Ça, c'est les mesures d'urgence qu'il a prises à ce moment-là. Et lui-même, il s'est rendu à la cellule pour voir comment fonctionnent les choses, qu'est-ce qui doit être amélioré, qu'est-ce qui doit être fait, tout ça. À cause de l'inondation qui est en train d'endeuiller le peuple de l'AES aujourd'hui. Parce qu'il y a certains qui sont... Il y a eu des pertes en vie humaine. C'est pourquoi d'ailleurs même, j'en profite pour adresser mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes et aux personnes qui ont perdu leurs biens. Je leur apporte tout mon soutien, toute ma solidarité, voilà, dans ces moments d'épreuve. Voilà. Donc, voilà un peu, chers camarades. Je salue Assimi Goïta. C'est un homme du peuple qui est avec le peuple et qui est issu du peuple et avec le peuple et pour le peuple. Assimi Goïta, c'est un 10. Malgré le défi sécuritaire, Le défi naturel vient s'ajouter à ça. Mais là, il fait face. Il y fait face. Avec brio, d'ailleurs. C'est un homme d'État. Un 10, un dur. Voilà. Donc, camarades,
Je voudrais d'ailleurs en même temps vous inviter le samedi prochain, samedi 24, à la place de la République pour manifester contre l'agression, chers camarades, il dit bien l'agression de l'AES par l'OTAN à travers l'Ukraine. Donc, mobilisez-vous comme un seul homme, on va les manifester. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Babo, président de l'école de 2025, Inch'Allah.